Bonne fête du Canada à tout un chacun. Nous sommes en compagnie de l'adjudant-chef des Forces armées canadiennes, l'adjudant-chef Alain Guimont, sur la colline du Parlement dans la capitale nationale afin de célébrer le 152e anniversaire du Canada. Bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir ici. C'est un plaisir d'être ici ce matin. Et selon vous, quel est le meilleur aspect de la citoyenneté canadienne? Bon, selon moi, mon travail m'apporte à voyager partout au monde. Et je suis toujours fier de mentionner que je suis le représentant du Canada. Puis lorsque on se présente avec cet uniforme, avec le drapeau canadien, sans équivoque, tous les autres pays nous regardent et savent qu'on vient du Canada. Et on se doit d'être fier de venir du Canada parce que le Canada a une très bonne réputation internationalement. N'oubliez pas de regarder le survol annuel de l'équipe de démonstration du CF-18 et des Snowbirds sur la colline du Parlement dans le cadre des festivités organisées dans la capitale nationale. Notez aussi que le NCSM Auriol sera de passage à Toronto à l'occasion du festival Redpath Waterfront. Cette escale s'inscrit dans la tournée des Grands Lacs. Le navire ouvrira ses portes aux visiteurs, permettant ainsi au public de découvrir le plus ancien navire canadien en service dans la Marine royale canadienne et celui qui compte la plus longue durée de service. Merci beaucoup de vous être entretenu avec nous, adjudant-chef. Ouais, merci beaucoup de m'avoir invité. En terminant, j'aimerais dire au nom du chef d'état-major de la Défense, Général Vance, et de moi-même, souhaiter à tous les Canadiens et Canadiennes une joyeuse fête du Canada.